Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cuber4 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Papy 45 raconte une histoire. Et si vous n'avez pas compris l'intro, et bien je vous invite à regarder le précédent épisode de Papy 45 raconte une histoire. Voilà, c'était juste pour la blague. Dans celle-ci, je veux vous raconter et bien les débuts de la chaîne YouTube et ça a été déjà fait, vous l'avez déjà su, mais sur le fait que comment j'allais lancer les premières vidéos. Je sais que je voulais faire du gaming et donc pour une première vidéo, qu'est-ce que j'allais faire? Eh bien j'avais posé un sondage. Là vous vous demandez peut-être, il a posé son sondage sur quoi? Peut-être sur Twitter, sur Discord, mais ça n'existait pas je crois. Sur Skype, pourquoi pas. J'avais posé un sondage sur Google+. Bon déjà c'est à partir de ce moment-là on comprend pourquoi Google+ a habité, mais bon. Google+, ouais, je savais pas vraiment à quoi correspondait Google+. Je pensais que c'était utile. Finalement, ça l'est pas. Et donc, eh bien, j'avais lancé un sondage sur Google+, entre eh bien trois styles de vidéos que j'allais commencer. Si j'allais en faire une série de vidéos ou des vidéos one-shot, comme il pouvait énormément se faire à l'époque de 2015. Donc à l'époque Squeezie, Amixem, etc. Beaucoup de youtubeurs gaming qui ne faisaient pas de série, faisaient des vidéos one-shot gaming comme ça. Et donc j'avais posé un choix entre Yu-Gi-Oh! Du coup bah, le jeu que j'ai toujours actuellement, Power of Chaos, Yu-Gi The Destiny. Donc faire une série de vidéos sur Yu-Gi en faisant des duels, etc. Une vidéo sur le site Chilekanyon, ce qui est un site de jeux gratuit turc. Il y avait plein de jeux assez sympas dessus et donc j'avais omis l'idée. Ou bien Happy Wheels, qui existe toujours, je crois que ça existe toujours, mais j'ai un petit doute. Et donc j'avais demandé du coup entre ces trois types de jeux. Et finalement, bah, comme vous avez pu deviner, ça n'a jamais été fait. Je n'ai pas fait de vidéos sur Chilekanyon ou bien sur Happy Wheels. Par contre j'ai fait des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Et même pas à cause du sondage, tout simplement parce que bah, c'était le seul jeu que j'avais sous la main à cette époque et que je pouvais enregistrer à peu près correctement. Donc voilà. C'était juste une petite histoire pour raconter bien avec quel type de vidéo je devais lancer la chaîne YouTube. J'espère que ce petit épisode de Papy 45 à la compte de Star vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire si vous étiez au courant eh bien, de cette anecdote. Et si oui, qu'est-ce que vous auriez préféré comme type de contenu si on devait dans un univers alternatif ça devait être le cas. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Papy 45 et je veux dire, enjoy!